Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à l'équipe de K-pop, mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Bienvenue dans le K-Charts de la communauté du Parapluie, c'est vous, c'est la Yusan Unit, le top 20 du mois d'avril, semaine 2. Déjà, j'ai l'impression que ça passe trop vite, je sais pas si je suis seul, si c'est mon délire, mais j'ai l'impression que ça passe trop vite, que je faisais le charts de janvier il y a même pas 2 semaines en fait. Si c'est la première fois que tu viens sur une de mes vidéos ou sur le charts, je t'explique ce que c'est. En fait, c'est un classement que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter. Les chansons pour lesquelles tu peux voter, c'est simple, c'est les chansons pour lesquelles je fais des vidéos réactions tout au long des semaines, jusqu'à un maximum de 8 semaines. Après 8 semaines, la chanson sort du charts pour faire la place forcément aux chansons qui arrivent semaine après semaine. A chaque fois, je collecte vos votes et s'il y a des chansons qui sont ex aequo, eh bien, je décide selon mes goûts personnels tout simplement. Comme ça, ça permet de départager les chansons. Tout au long de la vidéo, je mets aussi des petits stickers qui expliquent plusieurs choses. Comme par exemple le parapluie d'or, c'est une chanson qui est ou a été numéro 1. Le parapluie rose, c'est tout simplement ma chanson préférée de la semaine. L'éclair jaune, c'est la chanson qui a eu la meilleure progression de la semaine. Le nuage rose, c'est tout simplement une chanson qui est ou a été top 3. La goutte de pluie bleue, c'est une nouveauté. C'est la première fois que la chanson rentre dans le chart. Et pour terminer, le soleil, c'est tout simplement une chanson qui est ou a été pendant 5 semaines consécutives dans le chart. Donc ça veut dire que ça fait un moment qu'elle est là et que vous continuez de voter pour ces chansons-là. Ça est un peu gage de leur popularité. Maintenant que j'ai expliqué comment fonctionne le charts, je t'invite à regarder pour voir pour qui vous avez voté cette semaine. Allez, c'est parti, on se retrouve après.
Félicitations à Stray Kids, c'est la deuxième semaine où ils sont numéro 1, félicitations, ils rejoignent le club des chansons qui restent deux semaines de suite numéro 1. Il y a eu The Boys, il y a aussi eu Icon ou One Us, c'est des chansons qui sont restées plus de deux semaines d'affilée, donc félicitations, est-ce qu'ils vont briser le record, je ne sais pas, mais félicitations à eux, je suis vraiment content parce que j'aime beaucoup Mirror, c'est une chanson que j'écoute toute la semaine, vraiment j'aime beaucoup, donc je suis très content pour eux. Ensuite, on peut aussi voir l'avancée petit à petit, mais elles y sont arrivées, Everglow, un groupe tout nouveau qu'on connaît à peine, elles sont déjà numéro 2 du chart, ça veut dire que vous les aimez et qu'elles sont en train de devenir un groupe assez important dans le game, donc je trouve que c'est quand même intéressant d'analyser ça. Et Wassa, je pense qu'elle voulait absolument revenir au numéro 3, parce que je pense que numéro 2 ça lui a pas plu, donc elle est revenue à la 3ème place, une place qu'elle a eue quasiment tout le temps depuis qu'elle est entrée dans le charts. Félicitations à la meilleure progression de la semaine, c'est Blackpink avec Kill This Love en 7ème position, qui est donc une nouveauté, mais on a aussi Violetta de IG1, ou aussi la collaboration Steve Aoki et Monsta X pour Play It Cool. Comme chaque semaine, des titres nous quittent, et cette semaine, il s'agit de Minseo en featuring avec Paul Kim pour 2 cm, qui n'est jamais rentré dans le chart. Dala Dala du groupe ITZY de la JYP, qui a fait beaucoup de bruit hors de ce chart, bien évidemment, et qui était aussi de nombreuses fois dans le chart de la Yusen Unit, vous l'avez assez plébiscité, félicitations à elle. Want de Taemin, qui a réussi à décrocher un top 3. Wake Up du groupe TST. Gokigen Sayonara de IG1. Piri de Dreamcatcher. Bravo aussi aux filles qui, depuis le début, sont dans le chart. Elles l'ont jamais quitté. Donc félicitations aux fans de Dreamcatcher. Vous avez aidé les filles à rester dans le chart pendant au moins 8 semaines. Kendall de Daewi et Woojin nous quittent eux aussi. Et malheureusement, ils ne sont jamais entrés dans le top 20. Et la grande, la suprême Wassa nous quitte cette semaine avec tweet. Wassa qui est restée un nombre incroyable de temps à la 3ème place. Elle n'est jamais arrivée première, mais elle a été au moins jusqu'à la 2ème. Bravo, félicitations à elle et félicitations à tous ceux qui sont fans de Wassa ou tout simplement les Moumou. Bravo, vous avez aidé à être tout le temps dans le top 3 pendant 8 semaines. Et quand même, c'est quelque chose de difficile à faire de rester dans le top 3. Si tu suis le chart depuis un moment, tu sais que ça bouge quand même assez rapidement. Mais voilà, elle nous quitte. Mais il reste toujours Gogo Bébé, qui sera toujours là si vous souhaitez soutenir Mamamoo. Cette semaine, les chansons qui rentrent dans le chart sont Blue Orangeade de TXT, les petits frères de BTS. Domino du groupe qui s'appelle Wonder 9 et pas Wonder 9 comme je pensais que ça se prononçait parce que ça s'écrivait comme ça, mais c'est Wonder 9 qui sont en featuring avec Crush. C'est le groupe vainqueur du Survival Under 19. Catch Up de Dalsu Bean. Mais aussi Hocus Pocus du tout nouveau groupe de l'agence de Chungha, Bandit. Et pour finir, Vibe du groupe One Team. Pour voter, tu as déjà le lien en description de cette vidéo. Et si tu trouves que certaines chansons manquent ou si tu voudrais me voir faire des vidéos réactions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Amino ou à commenter sous cette vidéo sur Amino. Et je vérifie chaque semaine. Et je regarde si vous me suggérez de nouvelles chansons, etc. Et j'essaie de faire en fonction. Tu peux me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Smink. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. C'est déjà tout pour ce top 20 de la Yosan Unit.
d'avril, semaine 2, c'est terminé. On se dit à la semaine prochaine pour le mois d'avril, encore une fois, semaine 3, logique. Donc à la prochaine, bye 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 bye, annyeong.